Ici se raconte la vie chez Jaco, de l'emprisonnement cellulaire, de la débrouillardise, du quotidien. Du quotidien dans 9 mètres carrés vus sur cour, pour reprendre l'expression d'un détenu dit à un membre du personnel pénitentiaire au moment de son arrivée pour la énième fois. Très impressionnant, on se rend compte vraiment de ce que les prisonniers ont pu vivre. Et puis on ressent l'atmosphère. C'était plein d'émotions de revenir ici. J'étais infirmier ici de 2000 à 2008 et juste derrière nous. Donc, puis je suis avec ma famille, ils ont pu voir où je travaillais en fait. On ressent vraiment tout ce qui s'est passé là. Même quand on rentre dans une cellule, on a la chair de poule, surtout on peut voir sur les murs les écritures, c'est un peu un témoignage. Et moi ce que je trouve intéressant c'est du coup la réhabilitation qui va être faite par la ville, puisque c'est un lieu magnifique et ça aurait été dommage qu'il soit détruit par le temps. Très heureux de pouvoir visiter un lieu qui ne nous est pas ouvert habituellement. Et puis on a envie de voir aussi ce que ça peut devenir, enfin, moi personnellement, sur les nouveaux projets qui vont être en cours. Voilà, oui, donc de la curiosité.